Donc, sur le serveur, je vous ai mis un dossier qui s'appelle « Extraire des photos automatiquement et faire un script pour tout enregistrer sur le bureau ». Et vous pouvez ouvrir le PNG qui se trouve là-dedans, le thumbnails.png. Donc, j'ouvre ça dans Photoshop. Alors, ceci, c'est des vignettes bien rangées, mais il pourrait s'agir de photos qui ont été mises sur une vitre de scanner et qui ont été scannées, et elles peuvent être penchées même. Vous mettez comme ça une trentaine de petites photos sur la vitre du scanner. Vous scannez tout d'un coup et Photoshop est capable d'aller vous les reprendre, les remettre droite si elles sont penchées et en faire plein d'images séparées. Et donc c'est l'option ici, fichier, automatisation, rogner et désincliner les photos. Et voilà, c'est fait. Si je vais dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, je vois que j'ai maintenant 25 photos. 26 même, puisque la première... oui, ça c'est celle avec toutes les photos en fait. Voilà, donc 25 petites photos. Oui. C'est pas génial ça? Bien, si maintenant je veux mettre... toutes ces photos sur le disque dur, il va falloir mettre au point un script. Bon, le script, ben je vais le créer au départ de n'importe quelle photo ici. Je prends là n'importe laquelle des photos. Je vais dans la palette Action, menu fenêtre Action. Dans la palette Action, je crée un ensemble de scripts. Puis je clique sur le bloc de feuilles pour créer un script et je l'appelle enregistrer. En PSD, par exemple. Voilà. À partir de là, ça enregistre. Comme vous voyez, le bouton rouge est enclenché. Et vous enregistrez, fichier enregistré sous, vous enregistrez sur le bureau en PSD. Ben oui, puisque c'est ça le nom que j'ai donné au script d'action. Format Photoshop. Enregistrer. Et j'arrête l'enregistrement du script avec le bouton Stop. Voilà, et si j'ouvre ici le script pour voir, je vois que ça enregistre en tant que Photoshop. Dans le bureau. Voilà.